Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir et bienvenue pour ce match. On est ravis de vous retrouver pour ce nouveau rendez-vous football dans un stade qui a de nouveau fait le plein. Un petit point météo, il se pourrait qu'il pleuve pendant cette rencontre, qui pourrait être synonyme de ballon qui fuse et qui accélère. C'est un enfer pour les gardiens, ça on sait, mais ça peut donner plus de spectacle pour vous, les téléspectateurs. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Et on écoute l'hymne national autrichien. Maintenant avec le deuxième hymne national. On part donc sur trois joueurs devant. Darren, votre analyse? C'est un système assez classique où les trois attaquants jouent un rôle très important. Surtout les deux alliés. Plus ils jouent écartés, plus il reste espace à leur attaquant de pointe. Et la perte du ballon, ça permet d'avoir trois joueurs pour presser assez haut. Et la clé, c'est leur complémentarité. Et on rentre dans le vif du sujet. Allez Darren, un petit pronostic. Qui sera l'homme du match? Moi je pense à David Alaba. Quel athlète! Normalement on est soit rapide, soit endurant. Mais lui, c'est les deux. La frappe! À côté! Et ça lui arrive souvent de tenter ce genre de frappe. Et en général, ça lui réussit. C'est plutôt une bonne prise de risque. Hinteregger. L'Autriche qui peut avancer. Allez. Il décide d'allonger le jeu. Dans la profondeur, bien vu. C'est un bon ballon. Oh, l'inspiration! Il faut quand même féliciter les gardiens. C'était une sacrée parade. Il cherche son coéquipier. Jorginho. Spinazzola. Spinazzola qui cherche à construire. C'est joué dans l'espace. Un corner. Ce sera le premier corner du match. Le bon dégagement. Il allonge le jeu. L'interception, c'était chaud. Le gros dégagement. Bonne intervention, ça pouvait créer le danger. Immobilé. Lorenzo Insigné. Insigné. Florenzi. Centre au second poteau. Il met la tête. Pour l'Italie. Et l'ouverture du score pour l'Italie. Quel sang-froid quand même pour échapper à la défense et conclure cette action. Il utilise toute sa puissance pour résister à la charge avant de déclencher son tir. Bravo. Ce but en tout début de match devrait leur apporter de la confiance. On joue depuis un quart d'heure dans la première mi-temps.
l'Italie qui réalise un très bon début de rencontre. Oh, le bon timing de la tête! Et ça finit au fond! Magnifique tête plongeante! Et il fallait du courage pour la tenter, mais il réussit parfaitement son geste. Le jeu reprend sur un score de parité. Alors là, chapeau, hein. Voilà une superbe réaction. Ils ont su rebondir immédiatement après ce... Quelle occasion, attention! La défense était battue, le timing était parfait. À la barre. Et voici que la pluie fait son apparition. Et il cède sous la pression. Baumgartlinger. Le ballon dans la profondeur. Dans la profondeur. Ah, dommage, personne à la retombée. Bonucci qui cherche la profondeur. Il joue en profondeur. Ça n'a pas pu aller plus loin. Ballon intercepté. Ça soulage la défense. Jorginho. L'Autriche qui utilise ses latéraux quasiment comme des ailiers. Et vous pensez que c'est pour peser en attaque ou plutôt pour forcer les ailiers en face à défendre? Oui, là il y avait clairement faute. Un long ballon vers l'avant. La passe en profondeur pour Arnautovic. C'est joué long. La frappe, attention! L'ouverture était lumineuse. Dommage. C'est le ballon en profondeur qui fait la différence. Un superbe toucher de balle. Lorenzo Insigne. Oh, voici Immobile. Immobile. Parade superbe. Oh, mais quelle parade! Oui, quelle intervention. Honnêtement, moi, je la voyais dedans. De la tête. Ah, c'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh ben, dis donc, c'était chaud. C'est joué long. À la barre. Long ballon dans le sens du jeu. Et le ballon continue de lui coller au pied. C'est parfait, magnifique. Chiellini qui est récompensé de son pressing. Une belle échappée, dommage pour la conclusion. C'est bien, la passe à 10. Il faut céder trop pour Arnautovic. Oh, quel arrêt! Il pensait avoir fait le plus dur, mais le gardien était bien présent. Il tente sa chance. Ils ont notre chance. Lorenzi, Jorginho. Il joue sur sa gauche. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Il cherche la profondeur. Quelle intervention de Chiellini! Bonne interception, il y avait danger. Dragovic. Baumgartlinger. C'est bien donné. Ça peut partir en contre. Immobile. La parade. Magnifique. Incroyable comme il est allé la chercher. Ça semblait se diriger tout droit au fond. Marco Verratti. Faute. C'est indiscutable. Oh, l'arbitre est clément sur ce coup-là. À la prochaine faute, il sortira le carton, c'est sûr. Ça va le mettre sous pression pour la suite du match. Maintenant, il sait qu'il... On ne s'est pas ennuyé, on a vu des buts et tout reste à jouer en seconde période. Les joueurs rentrent.
Donc on va se dire sur ce score de 1 partout, rien n'est joué. Un match équilibré jusqu'à présent avec ce score de 1 partout. Si vous vous étiez absenté pendant la pause, vous n'avez rien manqué, le match vient tout juste de reprendre. Hinteregger. Dragovic. Ça joue long vers l'avant. Il a trébuché sur cette intervention. Oh, il fallait lever ce tacle. À la bas. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Et il va être sanctionné. Pour Arnautovic. Alaba. Qui choisit le côté gauche. Allez, ça peut faire mal. Il met le... La tête. Il était bon ce centre, mais manque d'efficacité à l'arrivée. L'Autriche pousse pour marquer. Il y avait du monde dans la surface. On est passé tout près là. Il allonge vers l'avant. Bernardeschi. Florenzi. Jorginho. Bien joué, il va pouvoir repartir. Et non, hors-jeu. Et dégagement du gardien. Là-bas. Oh, voici Immobile. Oh, Lorenzo Insigne. Jorginho. Marco Verratti. Jorginho. Il peut tirer. Immobile. Oui, c'était puissant. Encore un geste décisif du gardien. Baumgartlinger. Ils sont patients dans la construction, mais il faut faire la différence. Baumgartlinger. Bernardeschi. Ça va vite. Bien, la profondeur. Le bon dribble, Bernardeschi. Oh, dommage, la passe était parfaite. Ça démontre toute l'efficacité de ces ballons en profondeur. Tout ce qui manquait, c'est une meilleure finition. Ballon. Il cherche la profondeur. La bonne interception. Marco Verratti. Le ballon est perdu, il va falloir revenir. Et un contact qui n'était pas régulier. Coup franc. De là où il est placé, il peut frapper directement. C'est un peu loin peut-être pour la tenter directement. Signé. C'est magnifique. C'est exceptionnel. Quel but extraordinaire. Yes. Et il passe devant. Oh, c'était parfait. Le gardien ne pouvait rien là-dessus. Il savait qu'il pouvait marquer de là où il était. Après, rien à dire sur l'exécution. Ils sont devant maintenant au tableau d'affichage. La passe en retrait vers son défenseur. L'Autriche qui cherche à déclencher du mouvement. Baumgartlinger.
Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Un long ballon vers l'avant. Dragovic. Hinteregger. Mais il ne reste plus que 15 minutes de jeu. Il s'impose physiquement dans ce duel. Attention avec les tacles. Oh, bon tacle. Hinteregger. À la bas. Il ne résiste pas au contact. Ça monte en intensité là. Immobilier. Orel Sharawi. Florenzi. La défense est en sursis. Ils s'en sortent pas mal ce coup là. El Sharawi. Lorenzo Insigne qui aimerait sans doute avoir un peu plus de liberté. Bon, il a déjà montré de quoi il était capable. Alors là, il se méfie. Baumgartlinger. El Sharawi. C'est osé. Allez, c'est dangereux. Oh, ça aurait pu sceller le résultat. Oh là là, c'était chaud. Avec deux buts de retard, ça aurait été quasi impossible pour eux. Zaniolo qui tente une passe longue. C'est intercepté, ça aurait pu faire mal. L'Italie qui peut se contenter maintenant de jouer la montre. Chiesa. Le ballon dans la profondeur. Ça pourrait être dangereux. Il y a peut-être un coup à jouer. Ah oui, c'était l'occasion de tuer le match. Lorenzo Insigne. C'est joué long. Florenzi qui a donc offert un but à son coéquipier. Coup de sifflet d'arbitre, le match est fini. Qui a dit qu'il n'y avait plus de spectacle, plus de suspense, plus de but dans le football? Tout cela on l'a eu aujourd'hui sur la pelouse et presque un peu plus. Même si à l'arrivée il n'y a qu'un petit bout d'écart pour faire la différence. C'est l'heure du bilan, qu'avez-vous pensé de ce match? C'est une équipe qui possède d'excellents joueurs dans l'axe. Et comme souvent, c'est eux qui ont fait la différence. On n'a pas envie de rendre l'antenne.